Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est la loi. C'est le conseil d'administration de l'association donc, qui porte le projet, qui vient aujourd'hui faire une visite du chantier en présence donc, des entreprises, en présence de François Rudel qui nous fait la maîtrise d'œuvre du chantier. Alors on ne va pas tout finir avec cette tranche-là, hein, il restera un petit peu de finition, mais là je te laisserai en dire un peu plus. Mais on a voulu démontrer que ce n'était pas arrêté, au contraire, que le projet était un projet d'ensemble, et ainsi, en montrant son évolution, inciter les collectivités territoriales que nous sollicitons sur l'échelle du Livradois Forez, eh bien, de continuer leurs efforts financiers pour aider à la finition. Voilà, je crois que le pari est gagné, c'est réussi, c'est majestueux. On voit bien maintenant avec la troisième porte, les choses commencent déjà à mieux se lire, hein, puisqu'effectivement, quand il y a trois éléments, c'est beaucoup plus satisfaisant à l'œil. Et on voit qu'on a une montée, et puis bientôt, il y aura effectivement les ventaux, qui nous restent un petit peu à finaliser. Il y a encore une réflexion à voir, mais elles sont dans le projet. C'est qu'est-ce qu'on va mettre sur ces portes, effectivement. Et après, ça se finalisera, comme vous savez, avec les tables de mémoire, qui reprennent effectivement l'ensemble de la mémoire sur le livre d'Orforez. 12 années d'efforts furent nécessaires pour la réalisation de cette œuvre monumentale et imposante. Malheureusement, leurs pères spirituels n'ont pu la voir, comme le président René Dumont, décédé récemment, et Marius Gardette, qui présida l'association mémoriale. Saluons aussi tous ceux dont les efforts pour obtenir et convaincre les donateurs ont permis d'avancer par étapes cette réalisation. N'oublions pas les sculpteurs, les hommes de l'art et celui qui donna à ce monument une magnifique réalité. Tous ont bien travaillé. François Rudel m'a confié cette maquette avec le projet, et puis à partir de ça, il a fallu que je conçoive la façon de l'appareiller, de dire comment ça va se découper, comment ça va se superposer. Mon cahier des charges, c'est de respecter ce qui m'a été confié. La maquette, elle est telle qu'elle est. Après, c'est à moi à la fois d'en tirer le meilleur et de la respecter au maximum. C'est la lave de Chambois. C'est pas la lave de Volvic, c'est la lave de Chambois, mais c'est une matière similaire. En fait, c'est un projet qui tenait à cœur des acteurs de la résistance. Donc l'association créée en 2004. Les survivants voulaient laisser une œuvre mémorielle des combats en Livradois-Forez, de ce qui a été le déterminant idéologique derrière, parce que c'est le combat pour la liberté qu'il faut retenir. Et laisser une œuvre emblématique pédagogique, pas un monument commémoratif de plus, mais bien un monument pédagogique avec, quelques kilomètres plus loin, le fond documentaire à la Maison du Parc. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.